Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc là ça va être une vidéo exercice pour les triceps. Donc là ça va être un exercice, en fait une petite variante de la barre front qu'on voit classiquement en salle de sport pour solliciter en fait les triceps plus ou moins dans toute leur globalité. Et là, le problème qu'il y a, c'est que ça peut faire des problèmes au poignet pour certaines personnes et peut-être au coude aussi, parce qu'en fait quand on a la barre, on ne peut pas varier en fait en fonction de la montée la position des mains. Donc il y en a qui vont avoir certains problèmes. Donc il y a une solution, c'est de travailler en fait avec les haltères. Donc je vais vous montrer le mouvement qui peut être fait avec des haltères, pareil, plus ou moins le même mouvement sur un banc classique, pareil. Et en fait l'avantage, c'est que les mains vont être libres, les poignets aussi, et qu'on va pouvoir vraiment se placer dans la position la plus confortable avec ses articulations. Et en fait le stress sera assez équitable sur les deux triceps, parce que la charge en fait n'est pas reliée. L'autre avantage, c'est qu'on peut descendre un tout petit peu plus bas, parce qu'on n'est pas freiné en fait par la barre au niveau du front. Du coup on peut descendre un peu plus bas, donc il y aura un meilleur étirement. Et là le conseil aussi, c'est de ne pas tendre à fond tant qu'on a de la force, de ne pas tendre à fond les triceps en haut du mouvement pour bien rester sous tension. Donc voilà, je vais vous montrer l'exercice en vidéo. Là donc voilà, je suis sur mon banc, j'ai pris des haltères pas très lourdes, donc j'ai pris 10 kg par bras, donc c'est assez léger. Et là en fait je vais me placer comme si j'allais faire barre au front classique, mais avec les haltères. Donc là du coup je descends, je retiens bien la négative, hop, je remonte sans tendre les bras pour rester sous tension. Donc là l'avantage, quand vous n'avez plus de force, vous pouvez vous reposer en tendant un peu les bras de manière à pouvoir récupérer. Donc quand vous voyez que vous arrivez à l'échec, hop, que vous commencez à avoir un peu des douleurs ou du mal à remonter, vous pouvez verrouiller un peu, vous pouvez serrer un peu les mains comme ça pour récupérer un peu et vous repartez. Hop, pour gagner une ou deux répétitions. Donc voilà une variante de la barre au front classique qu'on voit avec la barre au Z en salle de sport. Là c'est la variante avec haltère. Ça permet aussi pour ceux qui n'ont pas la barre chez eux de pouvoir profiter de ce mouvement à domicile. Voilà, allez, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.